Désir Venesse et Zamé Ternot New York, pralgon courir dans le pays ça et courir à part l'autre bagaille pour nous dire bien, c'est un courir entre Kapetéan et puis Gaïkoni, et côté que je dis, hein, bagaille la pour de bon, par rapport avec dossier qui est pour avec trois conseillers qui nous cité dans le scandale corruption BNC. Hein. Puisque je dis en là, gagné juge Andy Félix M. Benjamin, monsieur qui invité, qui écrit, qui mandé, avec le conseiller Lucien Alchil pour qu'elle soit capable de présenter dans le cabinet d'instruction pour lui capable de dire avec le juge et qui ça connaît dans le dossier 100 millions de gouttes que l'ancien président de l'administration BNC, M. Raoul Pascal Pierre, lui, dit par rapport avec quoi le bah, trois conseillers, ça, yo, qui c'est Lucien Alchil, Emmanuel Bettiller et puis Smith Augustin. Qui donc tout de suite après le Gérald Gilles, est-ce que c'est Pral Smith Augustin? Est-ce que c'est Pral Emmanuel Bettiller? Mais normalement, que trois conseillers SAO mettaient avec Raoul Pascal Pierre, lui, mettaient avec un certain de Léandre, mais trois nexaïs, SAO, ils ont dû passer devant carré juge Benjamin Félix Mé Désir Venesse. Et qui est ancien premier ministre Claude Joseph, monsieur dit, et la ville avait extrait sonore là. Monsieur dit avec PM Gaïkoni, li pa gen droit chita avec trois conseillers qui nous cité dans le scandale corruption. Et Claude Joseph dit que PM Gaïkoni, li pa droit chita avec trois conseillers qui nous cité dans le scandale corruption BNC. Nous allons regarder ça en détail. Désir, Venesse. Gen militant politique Rosemont Jean, monsieur qui clairement dit nation, an. Pendant que Leslie Voltaire, l'autorité dans l'État, monsieur allait dans le pays Colombie, il a profité selon Rosemont Jean, puis est capable d'enterrer dossier colombien qui tue Jovenel Lyo, et ou qu'a saisi tant d'avant longtemps, que a libéré trois, libéré ensemble Colombien ça yo. Je dis à mes amis, veille en haut, veille en bas, pour nous, est-ce que Colombien ça yo, est-ce qu'il a libéré ou dit, est-ce que comment dossier ça peut aller selon Rosemont Jean Désir Venesse? L'invitation, c'est Claude Joseph. Mandé, fort qu'à trois conseillers présidentiels, yo, Patachita, même côté avec Gaïkoni, ou bien fort Gaïkoni, Patachita, même côté avec trois conseillers, yo, parce que yo pas catholique, yo représente trois braqueurs, yo représente trois gros assassins, qui t'a fait pression sous ancien président conseil d'administration BNC a pris de prendre l'argent et bien gagne des acteurs gagne des monde gagne des leaders organisation politique qui dit conseil présidentiel yo t'a de faire rebondissement by Gaïkoni même jan tout parce que dans date 16 janvier 2024 et bien premier ministre docteur Gaïkoni t'est accusé elle t'est même sibi yon mandat arrestation international dans ça qui gagne pour avec affaire CNA ensemble moun ça regardez. Yo di, Dr. Gaïkoni, krasé CNE, prend ensemble matériel CNE, yo, voye bay la médaille ici. C'est pour le cas tout désengagé dans le dossier CNE à côté, yo te mette mandat d'arrêt de yel et yo te allé au niveau international. D'après décret sur organisation et fonctionnement, CPT à Blaise Person, li pata doué même occupé position ça que Claude Joseph a essayé avancer selon divers acteurs qui ont réagi. Qui donc? Affirmé que ministre défense là pas de chita bon côté trois conseillers qui se victime yon rapport politique qui soulevait question application équitable à principe yo même yon ensemble des acteurs qui a regardé question même principe ça ta doit appliquer pour premier ministre là pendant réunion conseil ministre à gouvernement finalement est-ce que yon principe ta doit appliquer seulement les li approprié pour yon groupe moun en dedans société à ces questions qu'a posé concernant ça qui est pour avec constitution conseil présidentiel transition président pays d'Haïti ou bien proposition qui accepte le gain là-dedans la valasse pour qui ça c'est un problème pour kounia qui côté intérêt pays a ces questions yon ensemble citoyens à poser face avec ça qui est là Blaise Peterson dépier Denis Hankins prend dans un seul grain de soulier ça vient la cause que la portée démenti à travers notre ambassade là fait sortir. Sous ça qui est pour avec une photo
qui viral côté Jimmy Cherizier avec Denis Hankins chita face à face. Bien que nous avons dit que c'est fake news, ce n'est pas vérité. Blessed ambassade États-Unis. Ambassade États-Unis dans le pays d'Haïti. Démenti que ambassadeur américain accrédité en Haïti, Denis Hankins, t'es rencontré avec Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Okay. Porte-parole, coalition, vive ensemble. Qui donc photo qui montre diplomate américain, chita face à face avec leader groupe criminel, yo, c'est faux, selon ambassade là. Selon ça, ambassade là fait sortir pendant journée, ailleurs, blessé personne. Ça veut dire, arrivé dans une situation où yo pote des menti. Mais pour nier, est-ce que ensemble de l'autre bagay kap di yo, si yo pas pote des menti sou yo, est-ce que yo d'accord que yo c'est vérité? Non, bay zap avec bandi. Non, bay l'argent avec bandi en d'un pays a, kap théorisé population. Pabliye gen yon structure politique qui rele frein, qui en est dans le pays, qui gen Philippe Ladan, qui gen Jotel Joseph Ladan, qui gen également ancien ministre travaux publics, transport et communication, na Sensei Nade, parce que bon, elle parle, elle dit Sensei Nade à son autre dimension, mais Nade, Nade Joazeus, il fait partie plateforme ça, dirigeant plateforme politique force révolutionnaire en tant que national, frein, non, bah yon conférence pour la presse. 27 octobre qui est passé. Yo dénoncé international là, qui a planifié un complot pour sous question assassin, pour assassiner ancien sénateur Guy Philippe. OK? Regroupement, représentant, regroupement frère dans notre pays. Dénoncé communauté internationale là, qui a fait un plan pour assassiner Guy Philippe. Passer information, si là, qui n'en a, qui n'en frein, partagé. Même si tu ça, dans nos pays, mon communauté internationale là, pour le suspendre, persécuter Guy Philippe, mais ils ont demandé plutôt, pour le mettre en accord, trois membres KPTA qui impliquaient dans le scandale, BNCA, dans volant l'argent, l'État, dans volant l'argent en dedans pays, pendant tout le monde a plein du pays à pauvre, si le monde pas calé l'école, c'est pendant que les nègres cap volant l'argent l'État, jusqu'à présent, et autorité au fermé yeux sur eux, ils n'ont pas décidé de dire rien, et même faire rien. Dossier corruption en dedans pays, toujours. Employé. Bureau des mines et des énergies, Blessed Person, dénoncé directeur général institution SILA, Claude Prepti, avec ADM, je voulais parler de Marie-Nicole Dieudonné, qui t'a détourné l'argent l'école, employé, qui t'a pris passer 3 millions de groupes. Nous avons dit tout le monde dans le pays, il semblait arranger pour y rentrer dans le volet. Ensemble, nous avons pris pour servir, ils ont tous rentré dans le volet. Parce que regardez dans le conseil présidentiel de transition, il y a 3 volets, malgré que ces étudiants se volaient. Eh bien, la justice a fait réticence, je vous conviens de faire travail, ça permet tout le monde à PCOR, si tout le monde a fait un volet, tant que j'en l'autre l'a dit là. Il y a, si tout le monde a fait un volet, il y a volé, et puis pays a crasé. Selon employé, directeur a fait détournement l'argent ça, pour le capable, faire fête institution qui a privé juste dans le mois de juillet 2025. Selon ça, un employé a fait qu'on est, Blessed Person, comme raison qui fait prendre l'argent, et pour tout temps employé, pas qu'à voir petit yo l'école. Yo abdormi dans la rue. Yo doué yo pas qu'à payer. Pour nous citer quelques dans ça, ensemble employé yo, te mentionné dans question ça. Ensemble employé ça, ou Blessed Person. Yo mandé, membre conseil présidentiel de transition. Yo mandé, premier ministre, docteur Gary Kony, comme de facto, pour prendre responsabilité, pour yo faire intervention, pressé dans quatre dossiers ça. Youri la torture, tourné devant raconter encore. Yuri la tortue tourné devant raconter encore. Après juge Guimi Tello, Mago Naïve, te lavé le blanc ou la neige, après Conseil Sécurité Nations Unies, te fin épinglé. Et bien, Conseil Sécurité Nations Unies retourné avec Yuri la tortue encore sous une liste que Yuri met, surtout liste finale là. Ça permet que Yuri la tortue déjà a couru dans micro diverses radios pour la parler. Blessed Person. Situation de Yuri pour paraître extrêmement compliquée. 28 octobre qui se passe à Blessed Person, fait exactement c'est l'année assassinat homme politique, homme d'affaires, Éric Jean-Baptiste, qui nous songe, qui t'a perdu la ville, non, guette à prendre qu'il t'a pris dans la boule 12, et situation là jusqu'à présent, qui quitte mauvais goût dans la bouche population. OCNH, dénoncé violence armée, population Delma 24 a subi, surtout dans Solino, M. Camille Oxyus critiqué, chef exécutif là, qui pas fait rien pour contrer carré criminel yo. Et qui violait et puis tout y est population, hein, directeur exécutif au CNH, plaider en faveur matériel qui puis acceptable pour capable aider PNH dans l'opération qui a mené pour marcher pour un bandit tout partout côté autre ville. Pendant, n'a pas parlé des conseillers qui n'en vont là, qui c'est assassin, c'est criminel, et bien conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean,
Smith Augustin, yon nan volo yo, Laurent Cessier, représentant et secteur privé des affaires criminelles. En même temps. Laurent Cessier. Représentant secteur privé, volo, assassin, cap distribué zam en dans pays, cap fait toute qualité exaction. Et Régine Abraham, Louis Gérard Gilles, yon nan braque BNCO, yon te entend nan yon chita pale, non séance de travail, toujours le 28 octobre 2024 lan, ak commandant chef force la mais d'Haïti, nous voulons parler de lieutenant Debi Guerrier, ak directeur général police nationale d'Haïti, nous voulons parler de monsieur Normil Ramou. Plusieurs policiers ak officiers dans la MEA te participé tout, conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean te dirige réunion sa, et te gen pour objectif évaluer mes autorités au l'autre plan pour faire face avec insécurité cap valitaire sur tout territoire national la place de son. Désir Venès, et nous allons venir avec quelques réactions, parce que c'est important pour nous entendre, parce que nous avons fait débat, nous avons fait analyse, mais en même temps, tout, nous avons fait pour nous entendre de ces deux acteurs. Et le bagage qui nous a ajouté Désir Venès, pas oublier l'élection États-Unis, c'est dans moins qu'une semaine encore, et bah, elle a commencé sérieusement, et Baba nous menti, Donald Trump a commencé vraiment à serrer pour monsieur là, parce que monsieur a des séries de monde qui a supporté. Et qu'a fait de propos, et pas seulement contre haïtien, parce que dans un meeting que Donald Trump a fait, c'est dans New York, si je me trompe, il y a aussi un monsieur, c'est un humoriste, un comédien, monsieur qui était anti-portoricain ou cap-portorico, de un petit zile fatra. Mais bon, c'est républicain, ça, c'est des paroles qui étaient mon monsieur. Mais les gars, je n'avais jamais parlé, monsieur. En tout cas, Porto Rico, c'est vrai, ma condition qui doit de vote pour l'élection des États-Unis. Parce que m'abli, Porto Rico, c'est m'a dit, c'est un petit îlet des États-Unis. On comprend dans le dit. En tout cas, Donald Trump a dégagé la veille. Mais Baba nous menti. Et les 7 novembre qui va dérouler les États-Unis là. Et. Bon, tu vas gagner petit. Non, des yeux, m'a bon menti. Et gros pile suspense dans l'élection, ça. Ah, mon cher, gagne mon ta prédit. Mon quoi, gagne un citoyen. Monsieur qui a habité prédit l'élection aux États-Unis, et monsieur qui a plusieurs dizaines d'années la prédit l'élection aux États-Unis, et bien, dans la prédiction monsieur fait, il est que c'est Kamala Harris qui devient président. Bon, Kounia, est-ce que. L'élection aux États-Unis, ça a une surprise, Bless. Non, mais c'est ça, m'dou. Autrefois, l'élection aux États-Unis n'est pas une surprise. Mais dans la dernière série, élection États-Unis, vous commencez à faire une surprise. Haïti, ça fait qu'on y a. Et bien, les Abdi, vous obligez tant l'on en réalité pour comprendre ça va galer à pied. OK? Et pas c'est Laura en Haïti qui a pédé, qui a bêtise à Figi Moun. Ou qui a annoncé que Jovenel Moui, il va dire rien. Il a annoncé que l'abgé pour le président de pays d'Haïti et Marie-Louis qui débouté ça. Ou récemment, il prédit sur la vie Annie Alert. Dans un pays sérieux, Haïti, comme pas un pays sérieux, on a prédit n'est pas le bagaille. Mais est-ce que les États-Unis lui-même, dans le cas ça, il parle tout en réalité que si nous avons eu l'élection 7 novembre, et Kamala Harris qui est président des États-Unis, et ça prend inscrit pour la première fois, si ça t'a fait, que une femme présidente des États-Unis. Mais Kounia, est-ce que c'est possible? Parce que. Il n'est pas possible. Républicains habitués pour bois, non mais démocrates qui ont déjà une élection. L'éclair. Songez Joe Biden, et c'est pas un hasard. Il était baillé dans la chope en bâton dans la dernière élection qui était organisée. Est-ce que Kounye a suivi que ou bra jeune démocrate regagne l'élection encore? Si n'a pas d'autres mettez en question ensemble des conséquences que vous dites que démocrate yon pote, est-ce que vote qui pral fait là, li pral tenir compte de ça? Parce que soit tant de yon série de moun, et soit qui n'en nursing, ou bien soit de moun qui pratiquement dans de l'autre des champs activités aux États-Unis d'Amérique, et surtout dans un building, si là, ok, yon a acheté kay, revend kay, et qui n'en humain, yon montre que la situation vient très compliquée pendant mandat et Joe Biden comme démocrate. Est-ce que ça va pas le permettre en pile de faire des clics là ou essayer de garder la situation économique par rapport avec ça qui est là? Mais les gens qui sont plus bas niveau, les États-Unis, ils ont dit que Bagala vient prendre une ampleur dans quel niveau que Bagala vient cher. Est-ce que c'est démocrate qui cause Bagala vient cher ou bien c'est ensemble guerre qui gagne à travers le monde, qui gagne impact sur tout pays à travers le monde? Là. Ouais, en plus, les gens ne peuvent pas essayer de faire allusion avec ça. C'est vrai, ils ont dit démocrate. Permettre que bagaille yo cher. Mais ça qui vient dans le monde là, il y a un reflet sur tout pays qui est à travers le monde là. Parce que l'échange n'est pas fait à temps.
Ne me kounya sa que ça que Amérique qui États-Unis ont critiqué de l'administration Biden non et pas trois copes de caissé pour vous en guerre en Ukraine en guerre en Israël. J'estime que trois copes a décaissé dans notre réseau l'État États-Unis a voué à financer que son bataille à financer que son gourmet. C'est je dis à c'est combien milliards de dollars que l'administration Biden a décaissé pour Ukraine, c'est combien milliards de dollars qui a décaissé pour Israël. Et je dis à pas oublier lors de la guerre par exemple mon yo tellement après réagi par rapport avec bataille Israël avec et Palestine. Non. Trois, oui, je tiens là, l'armée Israël tué. Et bon, dimanche qui était 27 octobre, là, il a lancé plusieurs roquettes là, et m'gwen dans le Liban. Puisque on sait quand même, oui, on estime que je tiens que États-Unis et avec Biden comme président, eh bien, l'État doit être capable de mettre position pour empêcher que la guerre s'allie continuer entre Israël et Palestine et entre Ukraine et la Russie. Je veux dire, et ça, nous regardons parce que nous trouvons que. Mais Kounia Blaise. Vous aller dans la guerre, ça y est. Mais Kounia, est-ce que les États-Unis, est-ce que l'administration Biden n'a pas empêché des pays qui peut-être ont des intérêts qui pourraient avec eux dans la bataille qui a fait, les États-Unis qui ont interféré pour dire camper? Ils ont fait plusieurs tentatives. Soit des rencontres pressées d'autres gardes, qui ont campé avec bataille, c'est ce coup de feu qui a fait entre eux. Ou après, gagner, qui prend position, qui dit oui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a l'autre qui dit il n'y a pas de campé. Il a continué à faire attaquer. Est-ce qu'elle tape différent si c'est un républicain qui a gagné le pouvoir? Il y a un bagage qui a besoin de garder. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Momentum. Est-ce que dans le moment ça, est-ce que ce n'est pas ça qui doit être fait? Qui capote l'autre lumière, qui capote l'autre changement à travers le monde là, qui pour faire nous ensemble pays, lui veut comprendre qu'il n'est pas à l'abri avec ça qui a passé dans l'autre pays à travers le monde là. Moi, c'est comme ça que je comprends. Mais ça, surtout, il y a un gros impact sur l'élection qui peut aller pour faire là. Ces affaires qu'on a dit, on n'est pas une question des démocrates qui fait bagaille cher, mais cette situation mondiale là, blesse personne. C'est le monde qui a bouleversé. Tant que je dis, on va parler de Palestine, on va parler de la Russie, on va parler de l'Ukraine, qui est le monde qui a tombé là-dedans. Et on regarde en Haïti qui part en guerre, il y a beaucoup plus de mourir en Haïti que l'autre pays. L'autre pays, mais nous en guerre avec un cannibale qui a mis là où on en paye. Très bien, très bien. Nous pas en guerre avec l'autre pays. Mais chaque jour, nous avons beaucoup plus de monde qui a mourir en Haïti que l'Ukraine, que l'Ukraine, Palestine. Et je dis, pas oublier, la Mexique là, pendant le week-end qui s'est passé, ou plus de 16 personnes perdent la vie. Ça veut dire que tout le monde là qui est mourir. En République Dominicaine, puis Haïtien a perdu la vie, même si il y a des Dominicains qui a mouru tout dans des situations qui a passé là. Même la France, peut-être, n'a pas fait même bruit avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Mais le problème, non, les multiples. Quand il y a, les gens qui pourraient voter, ils étaient avec eux, les personnes, pour faire choix, bien calculé, avec qui est-ce qui a changé de données, qui a porté une autre vision. Gardez mon yo. Moi-même, j'entends Jean Roussel, j'ai dit Jean Roussel. T'es chanté donner le monde aux femmes. Est-ce que ça a privé à travers les États-Unis d'Amérique pour nous faire une autre approche politique avec femmes? Parce que moun sa yo, pas oublier, yo gen sens de maternité. Y a baïtété, y a caressé, yo gen l'amour. Est-ce que avec ça, yo pral transformer le monde avec Kamala Harris, une présidente? C'est un bon miracle pour le monde. Les personnes, yon femme rivée de tête et la Maison Blanche pour les États-Unis d'Amérique. Moi-même, ça m'a dit que des élections 5 novembre aux États-Unis, hein, les prêts déterminent un paquet de bagages à travers le monde. M'a dit ça clair. Élections 5 novembre, non, qu'a fait aux États-Unis entre Kamala Harris et puis Donald Trump, les prêts déterminent, mon cap vin président ou bien présidente, là, et l'avenir États-Unis, l'aime si l'avenir États-Unis, t'avais dit que pays États-Unis, et mon cap vive là-dedans, les prêts déterminent tout, la vie reste maintenant. Dans 4 prochaines années, ok? Et il va déterminer tout sous situation qui a passé en Haïti. Je vais la gueule comme si tout pourrait sur les États-Unis, mais il va déterminer ça tout. Parce que l'EMDI et les 5 novembre, il va déterminer et ça va passer aux États-Unis, c'est parce que si c'est démocrate qui va continuer à pouvoir. Bon, je vais réaborder, regarder question immigration, question économie, question avortement. Et si c'est républicain avec Donald Trump, bon, je vais regarder question immigration, question économie, question avortement. Parce que trois thématiques, ça y est, c'est trois thématiques clés, mettez avec ça les relations internationales que les États-Unis développent avec des pays à travers le monde.
qui fait une quatrième thématique clé, les que une tendance politique démocrate ou bien républicain qui prend pouvoir, il va déterminer ça pour États-Unis pendant 4 années mandat d'administration et parti qui prend là. OK? Et n'a dit tout. Et élection 7 novembre non, il pas seulement élection pour président, il c'est élection tout pour sénateur, pour député, magistrat aux États-Unis. Qui donc c'est élection générale. Exactement. Que est-ce que si Kamala arrive présidente, librement qu'elle est l'histoire comme première femme qui prend pouvoir aux États-Unis, OK, bon, je ne vais pas dire comme premier noir parce que Obama fait déjà, mais qu'on y a première femme présidente aux États-Unis, comment reste mon Napralwell? Est-ce qu'elle a une capacité de négociation avec des pays à travers le monde? Parce que je ne souvent pas une femme à diriger, alors que, collé avec les États-Unis, la Mexique, actuel président Mexique, là, son femme liée. Est-ce que madame le dit? Elle dit, est-ce que l'histoire, même quand c'est la première fois, tout le monde que Mexique a une femme présidente liée? Est-ce que c'est un des clics qui fait avec l'actuel président du pays Mexique, là? Par contre, est-ce que tout vraiment pression et États-Unis dans le moment par rapport avec bataille qui a développé dans le Moyen-Orient et Ukraine et la Russie? Et le gars des deux gros batailles ça yo qui capable mener nous à n'importe un petit déclic qui capable mener nous vers la troisième guerre mondiale et game qui parle tout nan jan moun sa pral la n'a pas décision ferme que yon femme capable mener États-Unis yon femme capable mener monde là m'dit comme ça parce que États-Unis c'est monde là mener. États-Unis c'est première puissance mondiale. Elle veut dire là c'est président ou bon président États-Unis ou c'est président le monde mais ou c'est président le monde. Pas comme on dit. Est-ce que Kamala Harris comme femme si toutefois elle arrive président États-Unis et est-ce qu'elle est capable de gérer pression qui est là? Et ou après comment qui a critiqué l'administration Biden que les mêmes vice-président là par rapport avec guerre qu'a fait Israël Palestine à travers guerre qu'a fait la Russie Ukraine. Et ça faut regarder ça yo. Est-ce que tout si c'est Donald Trump qui avait président pour une deuxième fois encore aux États-Unis et le pape capable de retourner président encore parce que et maman le a payé États-Unis ses deux mandats là au monde comme président. Est-ce que Donald Trump, genre que la parlé là, il va redresser l'immigration, il va redresser l'économie, il va faire un ensemble de bagages dans les États-Unis, est-ce que le peut le faire ouvrir? Ou dis-moi, est-ce que la plein pouvoir pour agir comme ça? C'est pas oublié. États-Unis, pendant nous a très bien, il y a un système qui est implanté. Il y a un système qui est implanté. Et l'homme dit un système, non. On a gagné de la président, on a gagné de la sénateur et député, ou la vice-présidente, ma bon menti, bon système, ça n'est le, la haute cour de justice aux États-Unis, gagné ça, les juges aux États-Unis, gagné ça, le congrès américain, regardez, et participer à la pitié, non? Ou ka comme président, ou vle agir dans propre gré par ou. Mais, tendez bien, si congrès a, ou bien si la Cour suprême ou bien et fédéral et l'état au niveau fédéral yo prend des décisions pas qu'à faire rien non frère pas qu'à faire rien parce que États-Unis c'est pas le pouvoir d'un individu non c'est le pouvoir d'état et l'un dit l'état ce sont les institutions étatiques et pour tout transit des désirs ou imaginez que dans un pays ou bien une institution qui est l'ULCC, Unité de lutte contre corruption, qui tendait un ensemble individu, qui était au conseiller président, dans le scandale corruption. ULCC ne montrait pas à plus B que Negio, il est vraiment impliqué dans le scandale corruption. Quand vous entendez, Patizab dit, son dossier qui planifié, son dossier pour capable crasser capeté, et pas vrai, et pas si, et pas ça. Alors que, moun ke nous cité dans la corruption, yo avoué que oui, yo te al participé dans la réunion, dans la chambre 408, dans l'hôtel Oasis. Bon, mes amis, en sérieux, si m'pas trompé, actuellement, gen des sénateurs et députés États-Unis, au sénateur, m'a changé dans qui state?
Le fait que estime que monsieur te prend moyen, nan mais qui pays? Y a rapoussi monsieur dans moment là, oui. Aux États-Unis, oui. Parce que États-Unis pas joué avec ça que les fraudes là. Depuis que fraude États-Unis, qu'allez ou lever prime sous de l'État. Bien que ou va dire Haïti différent, mais dans tous les pays sérieux, l'État, mais moun ki nan l'État, ou pas de impliquer dans la corruption. Yo pas de impliquer dans la fraude. Yo pas de dans bagay qui louche. Mais Haïti, c'est belle bagay. Là, on exil se volé. Li ministre li volé l'argent l'État. Li président volé l'argent l'État. Li zeke volé l'argent l'État. Ça va déranger. Au contraire, li jeune de moun kap supportel. De moun kap félicitel. Kap di continue volé toujours, mon frère. Et menti à bay sou. Ou pas volé vrai. Si nous me dire. Voilà, je dis, pour un impliqué dans le scandale corruption, une institution étatique dit que ça a eu dans le volet, il est impliqué dans le volet. Ok? Quand il y a autant de gens, il n'y a pas de problème avec l'avocat. Ça m'a dit, il y a une connaissance dans la loi. Il n'y a pas de parler comme avocat. Mais quand il y a un sinap fait pays, monsieur, comment faire? Quand il y a un accepté pour répondre à une question du LCC? Mais, si l'ULC, c'est comme un institution étatique, l'État, l'État des trois mouns, eh bien, nous estimons que travail ULC, ça soit travail politique, eh bien, craser ULCC. Craser ULCC. Il n'y a pas besoin d'exister encore. Et c'est là le problème d'exister. Et parce que, en Haïti, en pile trois mouns, nous mettons dans le poste étatique, yo, nous pas mettre sous base compétence, nous mettons sous base politique, et ça veut dire que tout ça qu'a fait dans l'État politique, et ça passe là, oui. Et ça crive là. Et ça crive dans le pays là. Mais si que te mette moun sous basse compétence et nous te rend l'État fort, qui t'a que ça t'a dit, on boit l'État en tant de ou ensemble de moun qui impliqué dans le scandale de corruption, qu'on a pu mettre en doute travail, boit l'État ça fait. Mais, mamzou, moi-même comme citoyen, si ULC s'est arrêté, les moun t'a dit ULC, mon cher. Ou pas besoin de l'aim, parce que les trois mouns déjà, ou pas faire rien, pari l'aim. Parce que m'gédoua ça. Oui, parce que, li pas bon bon avec trois mouns. Désir, en tout cas, mon frère, m'en fait mouns tende, on est en commettre Guerre Biblaise, qui c'est avocat Emmanuel Vertiller, qui a avancé argument pour montrer que juge Félix et Benjamin, pas gen droit tende, et trois mouns ça yo. Parce que m'en dit, c'est quoi la présidence, qu'est-ce que ça? Au coup de justice. Au coup de justice, oui. Au coup de justice. Pour la présidence, c'est votre coup de justice qui t'a attendu et il y allait directement entre le Sénat et la Chambre des députés. Mais pas que ça. Et monsieur, ça n'a pas gagné un mandat constitutionnel. Et de papier, mettez les gars là. Mais les gars, sérieux, monsieur. Mais Kounia Blaise, ça, on le connaît. C'était trois conseillers qui étaient pour te tête à l'ULCC pour te tendre. Exactement. Bon, ça veut dire qu'on n'y a même pas quoi que personne qui a fait référence avec question la loi, question constitution, qui dit mais, et c'est votre coup de justice, parce que c'est vous-même qui avez commencé avec la constitution et vous définir. Moi, je suis en train de faire dans la chambre 408 ou 6 là. Très bien. Et c'est ce que vous avez. Vous avez admettre que vous avez dans la chambre 408, dans la 6. En tout cas, désir. Bon, je vais vous mettre Guerre Biblaise. En vers CPA. Je n'ai rien tout bien entendu, je n'ai réservé pas mon compte CPA. Maintenant, mais nous avons des questions textes normatifs, il fait partie de l'État de droit noir qui institue un organe. C'est lui qui choisit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Il dit qu'il constitue mon en tant que président de la République. Dès lors que le président de la République, je dis. Vous m'avez tout expliqué, ça m'a fait là. Moi-même, j'ai défendu le CPT. J'ai participé, j'ai défendu la mise en place du CPT. C'est un siège exceptionnel, donc ce n'est pas ça le problème du tout. Vous expliquez ce que. Son ABC blesse. C'est même prérogative là. Ok. Un président de la République, par exemple, que moi dis juge dans ça. Qui vient de nommer ce juge-là, juge Benjamin? C'est le CPT. Donc, pour nommer comme juge, qui ça pour gagner et M. Assad pour une commission présidentielle. Donc, c'est une commission présidentielle qui vient de nommer M. Antoine Magistrat Benjamin Fizé. Mais, qui est beaucoup plus important encore que Marc Soulier, pour finir Soulier. Il y a des gens qui disent que son collégialité. Non, mais c'est erroné cette analyse. Pourquoi? Même genre, par exemple, de la Cour d'appel. Mais je vais l'expliquer, je vais le justifier. C'est en tant que collège. Ensemble, le président. Pas un problème, je vais le justifier. Là où aller dans la Cour d'appel,
On est bien d'accord que la cour d'appel s'exerce par la collégialité aussi. Là, devant un collège de juges, de trois juges devant cour d'appel, il y a un président, il y a deux assesseurs. Maintenant, collégial, il y a une décision. Il y a une grande décision qui s'est passée. Il n'a pas dit c'est le président du collège, il n'a pas dit c'est les deux assesseurs. Donc, tous les trois sont des juges identiques. Donc, maintenant, nous avons une collégialité, c'est pareil, c'est similaire. Nous avons une collégialité de personnalité, yodi qui. À qui compte, en tout cas, qui remplit fonction de président de la République, attribution de fonction de la République, là, ils ont décidé en qui qualité. Ils ont toutes les signés, même on t'a dit que c'est le collège qui est président, même j'avais collège devant la cour d'appel, ils ont signé en tant que président de la République, je suis désolé. Est-ce que le texte est lacunaire? Peut-être qu'il y a lacunaire, mais à ce jour, on a le texte n'est pas modifié, donc il faut le respecter. Même j'en juge dans l'île là pour le respecter tout texte normatif, constitution, loi, juge n'a pas le choix. Le contexte qui institue un organe qui crée neuf présidents, c'est désolé, soit on est d'accord avec, soit pas d'accord avec, mais il existait, donc il faut le faire avec. Maintenant, le juge n'a pas le choix. Vous dites il faut la haute cour de justice, la haute cour de justice, de supposer, c'est le Parlement. Bien c'est sûr. Le président bien sûr. Donc il n'y a pas de Parlement, donc il va falloir attendre l'arrivée du nouveau Parlement. Encore comme président. Je veux bien répondre. Est-ce que la loi est active? Est-ce que vous êtes capable de tourner? Je veux bien répondre. Il faut envoyer la responsabilité à Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse n'a pas organisé les élections. Donc, la haute cour de justice est constituée de quoi? Est constituée de la Chambre des députés et du Sénat. Donc, ce n'est pas notre responsabilité à ce jour. Que institution que l'existe et que ne pas exister, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il y a une constitution qui prévoit un organe, en tout cas, une juridiction qui pour poursuivre l'affaire, si vous décidez de poursuivre, c'est la haute cour de justice. Maintenant, vous avez bien dit. Après, si nous gagnons une haute cour de justice qui vient, par contre, une élection qui vient faite dans 2 ans, dans 3 ans, nous venons une haute cour de justice qui constituée, est-ce que l'affaire a prescrit? Il n'est pas prescrit. L'affaire n'est pas prescrite d'ailleurs. Il a traité du dossier, ça? Bien sûr, parce qu'il n'est pas prescrit, parce que son crime lié, s'ils sont, en tout cas, infraction que reproche à son crime, donc prescription que il n'est pas 1 an, que il n'est pas 2 ans, que il n'est pas 3 ans, il n'est pas 5 ans, toujours une possibilité pour haute cour de justice dit, écoutez, pas de problème, que vous pouvez dire que mon monde sait. Mais là, on va lire, puisque tout à l'heure, on fait référence avec, pour montrer comment monsieur, il est bien situé, d'un gros décret même qui va être création à ça. OK? Il y a l'article 2 du décret qui dit qu'il va être dans quelles conditions au monde qui a le CPT. Ça va pas jouer dans l'état formel. Vous allez vous dire, écoutez, bah, là où tu as enseigné le monde. Peut-être. Bon, vous avez donné la réponse. OK? Et je dis, outre les conditions prescrites par l'article 135 de la Constitution, nul ne peut faire partie du Conseil présidentiel de transition. 1. S'il fait actuellement l'objet d'une accusation, il va quand même se répéter, d'une poursuite pénale, vous allez laisser montrer selon moi par les poursuites, ou s'il a été condamné dans une juridiction quelconque. S'il fait l'objet d'une sanction de l'Organisation des Nations Unies, s'il est candidat au projet des élections, etc. Mais en étant ça, je ne dis pas que personne monde qui vient de faire partie de CPTSA, si il fait objet d'une accusation, d'une poursuite pénale ou s'il est condamné. Donc, qu'est-ce que ça va être capable d'attacher à Smith Vettel? Aucun. Emmanuel Vettel. Aucun. Et c'est un peu dommage que nous ayons des juristes. Il est accusé, non? Ben, bien sûr, mais c'est un peu dommage que nous ayons réflexion des juristes, analyse des juristes qui pas objectif, pas politique, pas compétent, mais qui est très compétent, mais qui n'est pas objectif en fait. Et vous étiez candidat au Sénat. OK. Moi, j'étais candidat à la députation pour la Croix-des-Bouquets. Il y a des critères d'éligibilité. Maintenant, il était dit que, écoutez, M. Assad doit lancer le pays pour capable éligible, pour ne pas condamner en peine infractive et infamante, etc. etc. Il y a des conditions, des critères d'éligibilité. Vous remplissez toutes les conditions, il n'y a pas de bon problème, ou tu es candidat. Moi également. L'offre sénateur, l'offre député. Est-ce que vous avez dit, écoutez, puisque vous êtes sénateur ou député, mais oui, bon, poursuite pour actuellement la Pounian, puisque il y a poursuivi aujourd'hui, hein, ou c'est inculpé, ou parce que c'est pas la même chose. C'est pareil aussi, peut-être que là, j'ai une opposition avec l'autre stratégie, défensive. L'article 135 ne fait pas conscience et pas crédibilité que Mabdil. Ou Mabdil Fangriam, non. C'est pas l'article 135 qui fait de M. Vettel le président de la République. Non, non, pas du tout. L'article 135 de la Constitution, c'est des critères d'éligibilité pour une présidente de la République. Oui, c'est pas l'élection. Pour l'élection, voilà. Donc, moi-même, pas besoin. Pourquoi avec nous, ça fait son arrangement, oui. Son accommodement. Non, mais nous ne sommes pas totalement de la loi. Voilà, non, mais c'est la loi, c'est pas la loi, c'est consensus, c'est entente. Non, mais c'est juste pour vous dire que
L'article 135, le rapporté, en fait, quand on rapporte l'article 135 à l'article 2 du CPT, l'article 135, jamais, au plus grand jamais, je n'aurais invoqué en face du juge, auprès du juge, pour dire que président Vettel est le président par rapport à l'article 135. Non, jamais. Il est à partir d'un accord. Mais non, pas par rapport à l'article 135. Le président à partir d'un décret. Le décret, oui. D'accord. Donc, d'un décret. De l'accord, oui. Maintenant, Gounion. Li et son texte normatif, on décrit son texte normatif que li. Oui. Maintenant, je vous dis, c'est pareil. Parce que, je vous dis, mais qui condition pour remplir pour venir élu président? C'est pas li qu'il faut président ou pour le président? Ou pour le président sous rempli condition ça? C'est pareil aussi. Maintenant, pour venir, et conseiller présidentiel, article 2 a dit, mais qui condition pour remplir? Faut pas jamais, en qu'aimerait être sous question de poursuite là, faut pas une poursuite pénale qui est exercée à l'encontre de vous-même. Et est-ce que à ce jour on est dans la création de, excusez-moi monsieur Assad, si vous me posez question comme ça, même pas répondre question, c'est pas me poser question parce que m'a pas poser question. Est-ce qu'on est dans la création du CPT à ce jour? Non. On n'est plus dans la création du CPT, le CPT existe, mais non, sous besoin qu'on ait des critères de retrait pour lui pas jouir de statut de président là, qu'on l'autre décret qui institue qui façon que M. Vettel il n'a pas qu'à se péter encore. C'est article 33 dans le décret mai 2024. Là, il dit qui ça? Paul Mouy, ou bien il enfreint la loi. Enfreint la loi. Oui, voilà. Et puis, ou bien l'y empêcher. Ou l'y empêcher. Et là, c'est là que moi-même que j'ai demandé au président Vettel, il n'a pas le droit de violer et la loi. Mm-hmm. Et ça, nous explique le juge là. Si M. Vettel, aujourd'hui, il présentait, je suis désolé, s'il présentait devant le juge là, il violait la loi. Mm-hmm. Et à partir de violer la loi, il fragilisait l'ensemble de l'institution du CPT. Là, ça, on y a un collègue, il a demandé pour mettre action publique en mouvement contre M. Vettel. Et à ça, oui. Parce que le monde qui évoquait lui, vous voyez, Claude Joseph l'a évoqué. Dans sa demande à son ministre. C'est dommage. C'est dommage. Il dit que, il m'a appelé, on dit la parole. Il dit la désir, vous ne comprenez pas bien. M. Gabi Blaise, j'ai un avocat, brillant avocat, que je suis là pour faire débat sur l'aspect technique. M. Gabi Blaise, Abdila, vous comprenez? Et je ne vais pas être dans le fond. C'est parce que M. Blaise, c'est un avocat. Non, c'est un Blaise, mais ce n'est pas un proche de moi parce que je ne suis pas contre. Bon. Par contre, personnage, j'ai vraiment dit que je me parlais, même qu'on est comme professionnel. Et M. Gabi Blaise fait des approches là, bon, il fait des approches techniques. Bon, même avec appeler bon, comme c'est avocat, c'est métier, c'est normal. Bah, là, il faut le défendre client là. Il faut le défendre client là, oui. Il faut le défendre l'indéfendable. Yeah, il faut le défendre client là. Ça m'a évolué avec ça. Même quel qu'on négocie pour là. Non, mais il est clair. Mais je dis, pas de besoin que tout lang, comme civil, si langue d'abou ça. C'est pour qui ça? Même du bagay. Ouais, mettre des après les décrets mettez, décrets ouéter, décrets pousser ci, décrets pousser là, décrets pousser l'autre bord, pile bagay. Est-ce que nek yo pas avoué que oui, avec ULCC, yo te nan question à l'an, bah, l'argent, bagay ça, oui. Bon, est-ce que la loi pas avancé ça tout? Bon, ok. Bon, nèg yo, mais à part ce plus bande bagay, les dici, si comment Emmanuel a l'évangélisé, les violé et la loi, parce qu'il sait comme quoi lui-même tout le mette, notre conseiller yo en situation difficile. Comme si là, nous pouvons faire tout le reste, moi, nèg sa ouïti là, avec trois nèg qui impliqué dans ce scandale de corruption, ça, nous t'a payé, monsieur. Qu'est-ce que vous comprenez ça me dit, hein? On va faire tout le reste sans nèg sa ouïti là, avec trois moun qui nous cité dans ce scandale de corruption dans le pays, hein? Et trois mouns sao, yo va mettre ensemble pour organiser l'élection dans le pays. Qui élection va gagner là? Élection corrompue. Dis-moi, qui élection va gagner là? Même pas besoin de regarder. Aspect technique, aspect de quoi mettre Gabi Abdian, ok, pas un problème. Et pour avocat lié, il faut le défendre client là, du bec et des gens, pas un problème. Mais qu'on y a, on garde dans la réalité. Hein. Est-ce que c'est peuple là? Est-ce que c'est nous-mêmes qui devons négo à la chambre 408 dans Oasis? Est-ce que c'est nous qui avons négo et 4 de crédit? Est-ce que c'est nous qui fait nèg a acheter pile bagay sa yo comme si délè ou qu'on on est quitté envie manger mange qui d'envie manger un bagay mais peut pas gagner moyen pour le manger et puis il vient jeune l'argent là ha mais c'est même gens l'op détail rapport ULC ça ca montre mais ça Smith Augustin acheter dans petit intervalle de temps et puis comme si son qui pas jamais espérer que tu vas acheter bagay sa yo et puis ha la profiter et puis même gens les qui gagne ça oui. Ou bien les nègres qui ont des bandits, ils ont montré que Bertin n'y a rien, mais les bagages, ils n'ont pas espéré que vous avez arrivé dans la dimension ça. Et puis, ils ont profité. Son crime, l'État pays a fait. Parce que ces jeunes garçons ont rapidement la capacité de travailler pour débattre. Exactement. Je vais même demander à M. Gabi Blaise, qui confiance qu'on a que KPT a créé
la caille peuple haïtien. Qui confiance que le créer? Comment qu'on y a, bien que même toujours du monde ça, ou quand toujours dit Blaise, pour que ça fait ma PD dit pas pour élection, moi même tout du monde pour élection. L'aime dit pas pour élection, m'baye raison, parce que ça qui priorité à qui se rétabli sécurité, m'boko jamais l'ego sous bagage là. Parce que l'autant de chef cabinet à Gary Conilan, qui c'est Nesmi Maniga, l'idou que Gary Conilan était minimisé, et pas ça désir. Question insécurité, hein. Comme si les pas rendre en pleurs insécurité à gagner. Et gars connait qu'on a dit nous pas faire back, nous pas perdre bataille là. Ça montre que ni gars connait ni capété ni chef cabinet ni DG la police ni chef l'armée ni mission sur équipe ban bluffer que oui. Tout le gars sous foulaille. La clé mon cher bluffer radar terre bêtise raquette dit bagarre la clé. Parce que si Kounia un chef cabinet premier ministre a dit que des PM n'ont été minimisés, ça gagne là. Ce que nous avons dit, les gars qui ont fait venir là sous France LB, ils mettent un petit top sur lui, un petit top, un petit gilet top, et bien juste en les brûlant devant lui, un petit casse en train de blender, à le sillonner en bas la ville. Ils font chaud. Ils font chaud médiatique. Et récemment, après aller dans le BRH, ils mettent un petit gilet plus normal pour lui sous lui, un casse en tête, et il a marché comme d'adou, et sécurité gagne. Et bien, avant même ça, sécurité la veille, la marche chaîne masse ça, oh, la vie commence à prendre chaîne masse. Il faut rappeler que vous avez fait monsieur courir en pile zone l'hôpital général. Exactement, exactement, garçon. Comme dit Dadou. Comme si vous avez un négo pour son bagage, c'est Mathieu Appel. Vous avez capé, à Broumé avec Koni, il y a besoin pour un ministère égalien, et toute partie, toute escritique, vous voyez, mon ministère égalien, il y a livré munitions. Mais pas ici. Am dit non ça. Calvin nous a peine commencé. Nous notre ride. Côté bleu fait bouger Charles Moïse. Entre temps désir et Bambine avec Claude Joseph. Ça pour et Claude dit comme ça et faut garder qu'on y va chita avec Nexao. Claude clair sur ça. Garder qu'on y pas chita avec Nexao. Mais Claude Joseph là tout. Et ça va, et ça problème pays hein. C'est classe police haïtienne n'est pas bon. Elle n'est pas bon. C'est raquette bluffé. Parce qu'il n'y a pas moins qui là, ça va pas bon. Mais il y a une pas primé Haïti dans le bagaille. Il y a une pas primé Haïti dans le bagaille. Elle dit qu'il y a primé intérêt personnel, intérêt parti. Vous comprenez? Et en tout cas, pas intérêt Haïti dans cette affaire-là. Je vais venir avec Claude Joseph. Pour qu'il y ait un capable de Claude Joseph. Non, il faut voir le pays d'abord, Haïti d'abord. Haïti d'abord. Il faut voir Haïti d'abord. Donc, la question de M. Kony, et c'est pourquoi nous autres au niveau de ED, nous demandons, et n'est-ce pas à Gary Kony de prendre acte qu'ils sont désormais des inculpés. Parce que Gary Kony, s'il acceptait Al-Chita, acte 3, inculpé non conseil des ministres. Il fait le complice, automatiquement. Il fait le complice. Donc, on y a nous-mêmes, on a viré sous Gary. Kony. Non, pour demander d'aller. Ah, bien sûr, parce que, et ou pas qu'à faire, complice, même à le travail son remaniement ministériel, avec des hommes qui tombaient sous le coup de l'article 2, qui dit que, depuis ou poursuivi, depuis ou accusé ou poursuivi pénalement, ou pas capable dans CPA. Nous n'avons pas le politique, là, sérieux. Ah ben, donc, à ce moment, le pays l'a gardé. Quelle est la référence aujourd'hui? C'est l'accord du 3 avril, qui est la loi des partis. Donc, monsieur le premier ministre Gary Kony, les autres membres du CP, ils doivent Chita parler avec les secteurs. Vous parlez de secteur et qui t'a utilisé, monsieur. Scoop. Est-ce que vous êtes plus clair qui secteur ça qui a utilisé les trois équipes pour régler l'affaire? Alors que probablement quelques temps plus tard, vous avez shooté de haut. Vous n'avez pas besoin encore. Mais écoutez, vous avez des secteurs qui bénéficiaient annuel de situation. Bon. Ou ouais, qui secteur, par exemple, qui prend la présidence dans la présidence tournante.
Mais la présidente. Mais moi, marquez nous peur. Moi, marquez nous peur. Il y a les supporters, qui est membre du parti Femme Lavalas. Il y a également Fritz Jean, qui sont anciens cadres de Femme Lavalas, qui a fait une alliance avec les supporters. Il y a Gérard Gilles, qui est membre de Femme Lavalas, qui a été membre de Femme Lavalas, et qui a une sensibilité à Lavalas, ça fait trois. Et puis, maintenant, il y a Vertiller qui est de Petite Dessalines, mais qui a une certaine sensibilité, ça fait quatre. Ouais. Pas oublier, tous trois, Negio, ils ont obligé Smith de aider, obligé à l'entrée en bas la Valas. Vous comprenez? Ça fait cinq nets qu'ils ont joué. D'ailleurs, si on n'a pas baillé la Valas, aucune pénétration, la Valas a mangé déjà. Pour le moment, il a utilisé, c'est vrai, il a utilisé, mais puis devant, il n'y a pas qu'un béo. Parce que ça doit arriver si la justice est rapide dans le dossier, peut-être qu'il y a un droit avant et année a fini. Et puis, il a dit, bah, non, mais pour le moment, la Valas a utilisé. Pas la Valas comme si, comme parti, besoin fait ça, non. L'inormal, c'était aider que dans la position, t'as utilisé tout, parce que aider besoin pouvoir. Donc, la Valas a besoin pouvoir. Maintenant, nomination pour le fait, c'est le plus important. C'est-à-dire, tout magistrat délégué, tout député et magistrat délégué de ville, etc. Et délégué mon qui représente le président à tout, pour le nommer dans l'administration et pas pour le ministre Raphaël. Donc ça a une certaine possibilité pour gagner représentant au niveau PIA et toute élection beaucoup plus favorable pour eux. Laisse ça aider presque perdu. Alors, bon, bah, et Ben, je souligne, et dans sa cap fait là, par exemple, vous dites faut PM dans ta prend acte et au même moment pour représentant CPA, Tachita avec PM, non? Et non éventuelle solution par rapport à nécessité pour Monsieur Sao de yo non CPTA. Non, mais non, ouais, CPTA, il fait bilan 6 mois. Yo parler de transparence tout l'autre et domaine. How? Là, what desires? Ça qui est là, capitez avec Kony là. Bah, pour la bataille des la nomination. La nomination directeur général, nomination magistre et exécutif. Ah, bah, y'a pas un peu. Délégué départemental, vice-délégué arrondissement. D'ailleurs, y'a pas un peu. Parce que pas oublié, nomination délégué et départemental arrondissement. Et il peut aller jouer élection. Yo parler de transparence tout l'autre et domaine. Yo va évoquer scandale corruption BNC. C'est comme si de rien n'était. Donc vous pensez que M. Le Capon a bon d'abord, moi trouvé qu'on pas cette incohérence dans et bilan coordonnateur CPA fait. On pile incohérence. D'ailleurs, on songe ces mêmes coordonnateurs ça avant le coordonnateur qui te dit une fois rapport à sortir, il a demandé monsieur, vous allez. Oui, déclaration faite publique. Donc, rapport à sortir, coordonnateur ça, les, au contraire, vient coordonnateur grâce à situation vulnérable, situation fragile, monsieur. Donc, il a profité de situation fragile. Donc, fragile, monsieur. Donc, on instrumentalisation dans façon pareille qui fait de dossier. Donc, moi, pensez dans le bilan, et faut que l'État montre que son CP qui est marqué, caractérisé par la corruption. C'est-à-dire le dossier de la BNC qui épinglé d'abord toi, monsieur Yo, gain un rapport ULCC, qu'on y a eu inculpé. Donc, aux côtés de Yel, si vous voulez, et pendant coordonnateur a fait bilan, vous avez trois inculpés campés. Mais toi, inculpé qui campé. Donc, c'est pour moi qui a passé, on t'a capable de dire, et inaperçu. C'est pour ça. Nous-mêmes, croyons que nous faisons appel à ça. Son position de courage, une position très courageuse, nous demander ministre défense-là, qui sont membres du parti politique aidé, pour pas participer à aucune rencontre avec toi, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, bien quand on posait question ça, mais ça me capable de dire, Gary, Monsieur Berthier, Jean-Marc Berthier Antoine n'est pas Smith. Ah bon? Non. Il y a une différence? Il y a une différence. Vous suivez? Smith, c'est un opportuniste, c'est quelqu'un prêt à trahir son parti, son groupe, pour n'importe qui bagaille, mais Berthier est un membre
scoop vert de aider qui respecte les disciplines de parti. Automatiquement, nous demandons Berthier pour le parler, participer, le pas aller. Donc, quoi dans ça? Scoop. Pas de risque pour tromper. Aucun risque. Aucun risque. C'est un. D'ailleurs, c'est quelqu'un de caractère. C'est un homme. Berthier est un homme. Et nous pas de doute du tout, du tout, du tout. Mais. Les cagnes, c'est différent ça avec nous, monsieur. Oui, oui. Ça va te consulter, oui, oui, etc. Oui, oui. Les cagnes ça avec. Mais la discuter dans la bâtie. Mais je. Il y a de monde qui relève, beaucoup de Smith Cap dit, monsieur, si nous, Claude Mando, si Edé Mando démissionner, pas démissionner, etc. Je dis, oh, non. C'est dès que tu mettes là, depuis que tu dis, retirez comme. Ah bon? Je te dis, il n'y a pas même tenté de faire ça. Lève tes positions, il y a dit, elle fait équipe avec Smith. Quitter bagaille de ça, il dit non, 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 nous pas de jambes de qu'on aime, en vain. C'est Dé qui mettait là, Piga nous fait ça. Il dit, mon yo, Piga nous fait ça, nous fait suite par rapport avec. Moi, j'ai un problème avec vous. Oui, vas-y. Impasse. Vous avez parlé de ministre ça. Oui. Vous suivez impasse. Vous faites toute confiance ça. Oui. L'autre que vous te mettez ambassadeur en République Dominicaine, c'est Smith. L'autre vous te mettez président, c'est Smith. Oui, oui. Sacrivé qui fait battre monsieur. Alors, chaque gain compétence par eux, il faut nous reconnaître que Smith, c'est un très, très bon intellectuel et qui gagne en pile capacité, en pile valeur. Pas oublier pendant que je parle avec nous, là, je me dis que Smith volait. Pas du tout, non. Je me dis que Smith coupable. Non. Seulement, on dit opportuniste. Ouais. Moi, dis-nous que Smith trouvait dans une situation qui est extrêmement difficile, qui fait que lui tomber en bas la loi, en contravention avec la loi, et lui pas capable dans CPA, il faut lui reconnaître ça. Merci Désir, venez nous croiser dans mi-temps-journée pour l'émission Tal Fou Vérité. Et parlez pour le jugement. Merci Désir. Merci Blaise, merci tout le monde. N'a pas oublié, mais ça, nouvelle remède en pile. Partagez-le moi avec nous dans le like, partagez et puis quittez commentaire, abonnez, sous pas quoi abonnez, activez cloche notification. N'a pas croisé la mi-temps journée.